Alléluia. Est-ce qu'il y a un peuple qui acclame le Seigneur ce matin? C'est comme ça on l'acclame. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Ce matin, nous allons partager ce message que le Seigneur a préparé pour vous ce matin. Alléluia. Et j'ai prié que ce message que tu vas écouter ce matin produira du fruit à la gloire de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alors, nous allons lire tout d'abord Exode 3, du verset 6 au verset 10. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs, je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'ils habitent les Cananéens, les Éthiens, les Amoréens, les Phériziens, les Hiviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font sortir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir mon peuple, les enfants d'Israël. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Le Seigneur avait prophétisé à son peuple esclave depuis 400 années que le temps de leur esclavage était fini et que un libérateur était en train d'être suscité au milieu de ce peuple. Et nous tous, nous connaissons l'histoire de Moïse, l'homme de Dieu, le prophète. Il a été suscité pour libérer le peuple. Et c'est dans ce chapitre, Moïse reçoit son appel. Il reçoit l'appel en voyant le prunel de l'Éternel enflammé. Il voit l'œuvre de Dieu, le Seigneur l'appelle et il reçoit cette mission de libérer le peuple de Dieu Israël. Et le Seigneur se présente à Moïse en disant, je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. C'est-à-dire, je suis le Dieu de la grâce et de la promesse, Abraham. Je suis le Dieu qui accomplit ses promesses, Isaac. Et je suis le Dieu qui maintient et sauvabonde les promesses, Jacob. Gloire au nom du Seigneur. Et ce matin, le Seigneur nous parle par sa garantie en disant, ce matin, mon fils, tu vas recevoir une parole. Et pas une parole de n'importe qui. Une parole du Dieu de la grâce et de la promesse. Amen. Une parole de Dieu qui accomplit les promesses. Et une parole de Dieu qui maintient et sauvabonde les promesses. Alléluia. Amen. La parole que tu recevras ce matin a la pleine garantie de son accomplissement. Alléluia. Et le Seigneur dit à Moïse, je t'ai choisi pour que tu me libères un peuple dans la main des Égyptiens. Et ne s'arrête pas seulement à ça. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, ne s'arrête pas seulement à ça. Je te choisis pour libérer ce peuple de la main des Égyptiens. Écoutez-moi bien. Et pour les faire monter. Gloire à Dieu. Dans un pays vaste et un bon pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux te dire, mon cher frère et sœur, qu'il est le temps de monter dans les bons pays. Amen. Il est le temps de monter dans les bons pays. Amen. Et le temps pour toi de rentrer à Canaan. Amen. Pour toi est arrivé le temps de
de sortir d'Égypte, oui, mais dès à rentrer, monter à Canaan, le bon pays, le vaste pays où il y a le miel et le lait. Acclamons le Seigneur. Amen. C'est vrai, gloire à Dieu, tu as vu déjà la rédemption, comme le peuple d'Israël. Vous voyez, ils étaient esclaves, Moïse est parti, il est parti les libérer, et au début, ça n'était pas été facile. Parce que c'était un jeu entre les magiciens et Moïse. Entre les gens qui travaillaient avec les démons et Satan, et Moïse qui avait en lui le pouvoir de Dieu. Mais je vais vous le dire, la bataille a été gagnée par Moïse. Amen. Parce que si le Satan aura toujours ses magiciens, le Seigneur aura toujours ses Moïse. Amen. Gloire au Seigneur. Et c'est toujours Moïse qui va gagner la bataille lorsque c'est le pouvoir de Dieu qu'il manifeste. Et ils sont sortis par la puissance de Dieu de l'Égypte. Et il y a un mot qui revient toujours. Passer au-delà. Quand on dit la Pâque, ça vient dans l'hébreu passer au-delà. Et nous savons qu'on est dans un temps prophétique où notre église va passer de l'autre côté. Amen. Amen. Mais ce que je vais te dire, le temps est arrivé pour toi, pas seulement de sortir d'Égypte. Vous m'écoutez? Pas seulement de passer la mer. Pas seulement de voir la mort qui passe au-delà de ta porte. Pour toi, le temps est arrivé pas seulement de rester dans les déserts, marcher dans les déserts 40 années, voir et la nuée, voir les choses. Non, non. Maintenant, c'est le temps de rentrer à Canaan. Amen. C'est des dimensions. Alléluia. Amen. Il y a des chrétiens qui sont jusqu'à sortir d'Égypte. Ah, moi j'étais dans le voodoo, Dieu m'a libéré. J'espère que tout le monde a été libéré de ça au nom de Jésus. Ah, moi j'étais dans les péchés, Dieu m'a libéré. Moi j'ai fait ces choses, maintenant je suis sorti. Gloire à Dieu. Tu es sorti d'Égypte. Maintenant, il faut passer le désert. Mais aussi, il y a les chrétiens qui sont toujours dimension désert. Dimension toujours dans la souffrance. Toujours à demander à Dieu, Dieu donne-nous pouvoir pour nos besoins. Aidez-nous. Il faut nous guider particulièrement. Après, il y a les chrétiens qui sont arrivés à la dimension Canaan. Alléluia. Amen. Ils sont déjà établis dans la terre promise. Praise the Lord. Alléluia. Beaucoup de vous pensent que Canaan, ça sera le ciel. Ah oui, pasteur, Canaan, c'est quand on rentrera au ciel. Est-ce qu'au ciel, il y a géants à combattre? Est-ce qu'au ciel, il y a des villes fortifiées à conquérir? Est-ce qu'au ciel, il y a les Cananéens, les Ibiens, les Philistiens et tous les Iens? Alléluia. Au ciel, il n'y a pas tout ça. Mais Canaan représente la dimension d'être pleinement en Christ. Alléluia. C'est quand je rentre dans cette dimension que je commençais à prendre possession de tout ce que j'ai gagné en Christ. Alléluia. Amen. Pas seulement être libéré du désert. Pas seulement être libéré du péché, mais je vais être en Canaan. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Je répète, hein, c'est le temps pour toi maintenant de rentrer à Canaan. J'aimerais avoir un amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est le temps pour toi de rentrer à Canaan. Amen. À Canaan, on rentre seulement lorsque, si on vous lisait l'histoire, j'espère que tous les chrétiens dénommés de mille sont des lecteurs de la Bible chaque jour. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça va aller. Amen. Ça va venir. Alléluia. Si vous lisez l'histoire, vous allez savoir qu'avant de rentrer à Canaan, certaines choses se sont passées. Exemple, avant de rentrer à Canaan, c'est nécessaire que Moïse prononce les bénédictions et les malédictions sur le peuple. Praise the Lord. Avant de rentrer dans cette dimension, il faut que ton Moïse prononce sur toi les bénédictions et les malédictions. Mais par la grâce de Dieu, nous en Christ, on a bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Avant de rentrer à Canaan, il faut que Moïse a prié pour Josué, lui a imposé les mains et lui a changé de nom. Tu ne peux pas conduire le peuple à la conquête de Canaan si tu n'es pas encore
revêtu de mon autorité, de mon onction. Praise the Lord. Avant, Josué ne s'appelait pas Josué. Il s'appelait Osée. Ça veut dire salut. Après, Moïse lui a imposé les mains. Il a reçu le Saint-Esprit, l'onction. Et son nom a été changé en Josué. Ça veut dire Yahweh sauve. Amen. Alléluia. Amen. L'onction de Moïse a mis le nom de Yahweh dans la vie de Josué. Alléluia. Amen. Avant, il espérait dans un salut. Maintenant, il sait que la source du salut, c'est Yahweh. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Si vous êtes avec moi, acclamez le Seigneur. Mais en Canaan aussi, on rentre après la mort angélique de Moïse. Vous savez, Moïse n'a pas eu une mort comme tous les autres. Moïse a été arraché par Dieu et posé sur une montagne. Son corps a été fait disparaître. Et on lit dans le Nouveau Testament que Satan et l'archange Michel s'est lutté pour avoir le corps de Moïse. Regardez, le corps d'un homme qui devient source de bagarre pour deux anges. Tellement il était fort. Alléluia. Satan lui-même, chef des démons, et Michel lui-même, chef des anges, s'est bagarré pour tirer un corps d'un homme de Dieu. Praise the Lord. Vous savez pourquoi? Parce que Moïse en lui, eux qui l'est né et qui l'est mort, il a mené bouleversement dans le monde spirituel. C'est nécessaire que avant de rentrer à Canaan, il y a un bouleversement dans le monde spirituel. Alléluia. Il faut que le démon et l'âge tirent par rapport à ta vie. Mais je vais te dire que ta destinée va gagner parce qu'elle est signée. Amen. Par les animaux. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi Satan voulait tirer le corps de Moïse? Parce qu'il savait que s'il ramenait le corps de Moïse, tellement les hommes voyaient Dieu à Moïse, lorsque Dieu les avait donné comme un Dieu, ils allaient commencer à adorer Moïse. Mais Michel, son homme, ça veut dire qui est égaux à Dieu. Non, on ne peut pas amener quelqu'un qui est comme Dieu au milieu du peuple. Seulement Yahweh sera adoré. Amen. Je vais te dire que avant de rentrer dans cette dimension de Canaan, il faut le bouleversement spirituel. Amen. Allô? Amen. C'est pas un message facile de. Mais aidez-moi au. Amen. Amen. Soyez patient. Amen. Amen. Soyez attentif. Et si tu ne comprends pas, dis quand même alléluia. Je prêche la bonne doctrine. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Mais ce que je veux dire, c'est nécessaire un bouleversement spirituel sur ta vie. Amen. Il faut que ta vie cause des problèmes au niveau céleste. Amen. Il faut qu'il y ait une bataille entre ces deux forces pour que tu puisses rentrer à Canaan. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Moïse, il brillait comme un ange. Il a vécu comme un ange. Il est mort comme un ange. Que Dieu nous aide. Amen. Alléluia. On peut continuer. Avant de rentrer à Canaan, on rentre à Canaan seulement si on a la domination sur le surnaturel. Si on ne maîtrise pas le surnaturel, on ne peut pas rentrer dans la dimension de Canaan. Vous savez pourquoi? Dieu va vous aider à comprendre. Il faut que cette prédication soit comme comprimée. Vous prenez ça maintenant à la maison, ça va purger l'esprit. Alléluia. Ça va mener l'effet. Amen. Amen. Je vais vous dire une chose. Avant de rentrer à Canaan, il y a devant nous le fleuve Jourdain, n'est-ce pas? Il y a une barrière, le fleuve Jourdain. Maintenant, comment faire passer un peuple par le fleuve Jourdain? On n'a pas de bateau. Comment on fait? Sans bateau, comment on fait? Alors là, c'est nécessaire que Dieu m'aide. Alors, ils ont mis l'arche de l'Éternel devant, ils ont mis les sacrificateurs devant. Dès que les sacrificateurs ont appuyé l'eau avec leurs pieds, en portant le poids de l'arche de l'Éternel, l'eau devant eux s'est ouverte et ils sont passés. Amen. Pour rentrer à Canaan, mon frère, il faut mettre sous tes épaules l'arche de l'Éternel. Amen. Il faut mettre sous tes épaules l'arche de l'Éternel, la Amen. Présence de Dieu, l'alliance de Dieu. Et quand tu passeras par les eaux vont s'ouvrir devant toi. Amen. Alors là, il faut le surnaturel pour atteindre cette dimension. Il y a beaucoup plus dans la vie chrétienne de ce que nous, on est en train de vivre. Je suis fatigué des chrétiens qui sont toujours dans les déserts, qui sont toujours dans la souffrance. C'est le temps maintenant de rentrer à Canaan. Amen.
C'est le temps maintenant que tu rentres à Canaan. C'est le temps maintenant pour Néhémie 2000 de rentrer à Canaan. Puisse y avoir un amen. Amen. On fait comme ça. Si on aime Jésus, on l'acclame. Dieu veut plus que ta vie soit comme un pèlerin dans les déserts. Il veut que tu commences à demeurer à Canaan, la terre sainte, la terre promise. Je vais vous faire constater une différence. Dans les déserts, le peuple de Dieu demandait à manger et Dieu les envoyait la manna. Vous avez jamais entendu parler de la manna? La Bible dit que la manna était comme des miettes, comme ça, petit petit. Et les goûts sentaient des miels. Reste de l'or. Alléluia. Mais Dieu a dit: Moïse, je ne t'appelle pas à faire manger toujours la manna au peuple dans les déserts, mais je t'appelle à faire monter le peuple dans un pays où les miels et les laits coulent. Amen. Alléluia. Amen. Plus de manna pour avoir un peu de goût de miel. Je veux un pays où les miels et les laits coulent. Amen. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Amen. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Alléluia. On ne veut plus encore la manna chaque jour qui mandait, qui mandait, qui mandait. Mais je vais demeurer où il y a le miel et le lait ensemble. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Je ne veux plus marcher dans les déserts. Je ne veux plus voir mes pieds souffrir dans la sable. Je ne veux plus voir le soleil me taper la tête. Non. Et demander toujours à Dieu: s'il te plaît, n'enlève pas ta nuée sur moi. Il faut me faire l'homme, sinon je vais mourir dans les déserts. Non. Je vais habiter à Canaan. Amen. Dieu m'a préparé un pièce de terre à Canaan. Et c'est là-bas que je vais habiter. Alléluia. Je ne vais plus encore voyager dans les déserts. Je ne vais plus encore commander nourriture, commander l'eau, commander l'ombre. Je veux demeurer à Canaan. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Selon Exode chapitre 23, lisons le verset 20-21. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Le verset 21. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Alléluia. Amen. Dans le dessert, Dieu a dit: j'envoie un ange devant toi, n'est-ce pas? Oui. Mais à Canaan, la Bible dit que l'ange de l'Éternel fait son chant à côté des gens qui les craignent. Mm. Praise the Lord. Alléluia. Je ne veux plus seulement un ange de l'Éternel qui marche devant moi. Je veux que l'armée de l'Éternel fasse son chant autour de moi. Amen. Je veux être le camping militaire des anges de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je veux me sentir comme un VIP, avoir des gardes de corps partout. Amen. Je veux que les anges de Dieu m'entourent. Amen. Et l'ange de l'Éternel me couvre. Alléluia. Amen. Je ne veux plus marcher pour avoir un seul ange devant moi. Je veux toute une armée à ma disposition. Amen. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. 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 Amen. Je sais que ce n'est pas un message facile, mais ça va aller. Amen. Si tu ne comprends rien, je vais te dire: Dieu t'aime. Au moins, tu dois t'amener ça à la maison. Alléluia. Gloire à Dieu. Verset 22. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Je ne veux plus combattre. Hein. Franchement, je ne veux plus combattre. Je veux que l'Éternel lui-même soit l'ennemi de mes ennemis. Peuple de Dieu, tu m'entends? Amen. J'ai dit qu'il y a une dimension où tu ne vas plus combattre, où l'Éternel lui-même sera l'ennemi de tes ennemis. Oh. Amen. Pas vivre dans la crainte: est-ce qu'ils m'ont envoûté? Est-ce qu'ils m'ont fait ça? Est-ce qu'ils m'ont fait marabousage? Est-ce qu'ils m'ont... Non. Maintenant, je sais, lorsque j'habite en Canaan, que l'Éternel sera l'adversaire de mes adversaires. Amen. L'ennemi de mes ennemis. Amen. Et par contre, l'ami de mes amis. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Seigneur, aide-moi avec ces messages. Amen.
Aide-moi avec ce message. Amen. Verset 25. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il faut appeler ton frère à côté de toi. Dis-lui, écoute papa, s'il te plaît. Gloire à Dieu. Dans le désert, le peuple a demandé pour l'eau. On a besoin de l'eau. Alors Moïse a été appelé par Dieu. Va taper un rocher. Amen. Il est parti taper rocher. L'eau est sortie. Ah, on a faim. Ok, on a prié. La viande est arrivée. Alléluia. Encore, on est malade. Bon, on va faire un serpent. Vous le regardez. Quand vous le regardez, vous serez guéri. Vous êtes avec moi? Mais la dimension de Canaan, c'est totalement différent. À Canaan, il a dit Dieu que même ton pain et l'eau seront bénis. Et j'éloignerai la maladie au milieu de vous. Amen. Je n'ai pas besoin de demander encore le rocher qui me suit, je vais le taper. Non, non, non. Ou bien que la viande arrive, non. Ou bien regarder un serpent pour être guéri. À Canaan, même mon père, mon eau seront bénis et la maladie va s'éloigner. Amen. Amen. Je ne vais plus prier, oh Seigneur, comme un mendiant. S'il te plaît, si c'est dans ta volonté, guérisse-moi. Non, je suis à Canaan. Seigneur, tu m'as déjà guéri. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mon père, acclame Jésus. Je vais vous dire ce qu'il n'y aura pas à Canaan. Verset 26-27. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Alléluia. Quand tu es à Canaan, mon frère, ma sœur, à Canaan, il n'y a plus femme stérile ou avortement. Amen. Et même au niveau spirituel, il n'y a plus de stérilité spirituelle où tu n'arrives pas à concevoir des choses pour Dieu. Et je déclare qu'il n'y aura plus même avortement spirituel. Tu ne vas plus avorter les choses que Dieu va planter en toi. Tu ne vas plus avorter la semence de Dieu en toi au nom de Jésus. Amen. Tu ne vas plus avorter la vision de Dieu pour ta vie. Tu ne vas plus avorter ton ministère. Tu ne vas plus avorter les dons que Dieu t'a donné. Tu ne vas plus avorter ta destinée. Tu ne vas plus avorter ton entreprise. Parce qu'en Canaan, il n'y a pas avortement, pas stérilité. Mais on est prospère. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a un temps nouveau d'enfantement. On a déclaré cela beaucoup de fois. Et on a commencé à voir ça dans la dimension naturelle. Beaucoup de femmes en année 2000 viennent stériles et ils commencent à concevoir des enfants. On les a au milieu de nous. Amen. Mais en même temps, il y a aussi l'animal spirituel qu'on veut réaliser. Toute stérilité, avortement soit annulé au nom de Jésus. La Bible dit encore qu'en Canaan, tu vas compléter le nombre de tes jours, n'est-ce pas? Donc à Canaan, il n'y a pas mort prématurée. À Canaan, on ne meurt pas avant nos jours. À Canaan, on ne peut pas nous tuer avant nos jours. Yes. Amen. Si un homme de Dieu vit jusqu'à 100 années, c'est son jour. S'il vit jusqu'à 50 années, c'est son jour. Il n'y a pas mort prématurée. Quand tu as terminé d'accomplir ta destinée, Dieu va te prendre, t'amener au ciel. C'est ça. Amen. Et je déclare que personne ne va raccourcir tes jours. Amen. Alléluia. Amen. Pas seulement avec les envoûtements, les sorcelleries, lorsqu'on est en Canaan, mais même avec le stress. Il y a des gens qui sont stressés, ils sont en train de tomber malades à cause du stress. Personne ne va couper tes jours au nom de Jésus. Yes. Amen. Et vous savez ce qu'il y a aussi en Canaan? Il y a la terreur aux champs ennemis. Reste là. Amen. Pardon, hein. Mais je vois trop de chrétiens effrayés par les sorcières, les démons, les satanistes, les occultistes, les sectes. Ils sont là-bas sur internet en train de voir tous les Illuminati, les trucs là. Ou bien ils sont en train de se garder même de sa petite sœur si elle n'est pas une petite sorcière. On dit elle est petite mais elle peut être expérimentée au niveau spirituel. Et on passe tous nos jours avec la terreur, effrayés par ce genre de choses. Dieu est en train de renverser le truc. Il est en train d'envoyer ton erreur au milieu du champ de l'ennemi. Restitution. Ça, vous n'avez pas compris. Amen. J'ai dit hein, que Dieu est en train d'envoyer ton erreur au milieu du champ de l'ennemi. Amen. Ça veut dire que avant, c'est nous, on entend les sorciers, on a peur. Maintenant, Satan commence à entendre le pasteur Samuel est retourné au Niger. Ah, je suis foutu. Alléluia! Alléluia!
C'est ça, c'est ça. On envoie la terreur au champ de l'ennemi. Amen. Yes. C'est plus l'ennemi qui nous fait terreur, c'est nous on envoie. Et en Ésaïe, il y a une prophétie. La prophétie dit que tes enfants vont conquérir jusqu'à la porte de l'ennemi. Amen. Avant, on chassait Satan de la maison, n'est-ce pas? Sors de la maison, sorcier, esprit de famille. Maintenant, c'est lui qui est en train de dire sors, passe Samuel, sors du Niger. Tu as conquis trop de choses pour nous. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Yes. On a envoyé la terreur au milieu du champ de l'ennemi. Gloire à Dieu. Amen. Deutéronome 8, verset 7. Ça nous montre aussi c'est quoi être en Canaan. Écoutez bien, une fois à Canaan, c'est qui on va trouver quand on rentre dans cette dimension spirituelle. Car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Amen. Canaan, c'est un territoire plein de sources d'eau. Il y a le cours d'eau, il y a les lacs, il y a le fleuve. Et il y a des sources à la montagne et à la vallée. Presse de l'or. Amen. Dans la Bible, le Saint-Esprit est présenté comme l'eau, n'est-ce pas? Alors quand je suis dans cette dimension de Canaan, je vais découvrir toutes les courses d'eau qu'il y a à Canaan. Je vais être capable de me ressourcer à la montagne. Alors, yeah. Mais je vais être capable aussi de me ressourcer dans la vallée. Parce qu'il y a des sources aussi à la vallée. Et la vallée, c'est la zone plus fertile, mais aussi la zone de bataille. Presque de l'or. Je veux que vous vous ressourcez tous dans le Saint-Esprit. Yes. À Canaan, il y a eau partout. Il y a des fleuves, il y a des lacs. Il y a des sources supérieures et des sources inférieures. Seigneur, aide-nous à pénétrer jusqu'à arriver à toucher ces sources et boire. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Continuons la lecture. Le verset suivant dit quoi? Pays de froment, d'orge, de vignes et de figuiers et de grenadiers. Pays d'oliviers et de miel. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien. Touche celui qui est à côté de toi. Dis, c'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Même les gens qui sont seuls assis, il faut te lever, aller les toucher. Gloire à Jésus. Amen. Regardez ce qu'il y a comme nourriture à Canaan. À Canaan, il y a le froment et l'orge. Et ça, c'est pour faire la farine et faire le pain. Ça, c'est le corps de Christ. La solidité de Christ. Après, qu'est-ce qu'il dit? Il y a les vignes, les figuiers et les grenadines. Ça, c'est l'aspect des prophéties, des sacrificateurs et des royautés du Christ. Parce que même les grenadines étaient mises sous le vêtement de souverain sacrificateur. Et après, il dit quoi? Il y a l'huile et le miel. Et l'huile est représente le Saint-Esprit et le miel représente la parole de Dieu. Vraiment, on mange bien à Canaan. On mange bien à Canaan. Quand tu es dans le désert, tu vis toujours, Seigneur, donne-moi une parole pour moi. Mais quand tu es à Canaan, toute la parole devient pour toi. Alléluia. Quand tu es dans le désert, Seigneur, donne-moi un peu de Saint-Esprit. Je vais me ressourcer. Non, non, non. Quand tu es à Canaan, tout devient possession du Saint-Esprit. Il te prend partout. Quand tu es à Canaan, tu manges Christ, le sacrifice vivant. C'est des choses difficiles à comprendre. Le Saint-Esprit va vous aider. Plusieurs fois dans le même chapitre et répéter l'idée de se rassasier. Moi, je vois trop de chrétiens qui ne sont pas rassasiés. Et je ne parle pas seulement au niveau physique. Que Dieu vous abonde, que Dieu vous amène. Mais je parle d'être rassasié de Christ. On n'est pas satisfait. Mais Canaan nous satisfait. Dans l'église, il y avait des miracles, Dieu fait des miracles, des révélations, la prédication est là, mais toujours on part chercher ailleurs, s'il y a mieux. Il y a une église qui s'est ouverte là-bas, quand je parle là-bas, ils parlent ma langue maternelle. Même s'ils prêchent faux doctrines, quand même je les entends dans ma langue maternelle, c'est mieux. Que Dieu nous aide. Je vais terminer. Canaan, c'est un pays de richesses extraordinaires. Le verset 9 à 10. Pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien. Pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras l'airain. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Dans la dimension de Canaan, même la montagne est ferme. C'est-à-dire qu'il y a la richesse partout. Même la montagne, même le caillou est richesse.
richesses. Que Dieu t'aide à découvrir ces richesses en Christ. Amen. Canaan est oui un pays où il y a les géants à combattre et les villes fortifiées à conquérir. Mais il faut te rappeler que les enfants d'Israël ont pris des fruits énormes. Ils ont pris l'abondance. Alors mon frère, ma sœur, ça vaut la peine d'aller en profondeur avec Dieu. Ça vaut la peine conquérir pour Dieu. Ça vaut la peine aller en profondeur avec Jésus. Tu es sorti de l'Égypte, gloire à Dieu. Tu es dans les déserts, gloire à Dieu. Mais maintenant, c'est le temps de rentrer à Canaan. Il y a plus pour toi en Christ. Je ne vais plus commander le pain. Je ne vais plus commander l'eau. Je ne vais plus prier, Seigneur, s'il te plaît, si c'est dans ta volonté, guérisse-moi. Je suis déjà guéri. Amen. J'ai ma pleine assurance. Alors, c'est le temps pour toi, chrétien, homme de Dieu, femme de Dieu, de rentrer à Canaan. Peut-être ici, la majorité ce matin n'ont pas tout attrapé de ces messages. Il faut amener ça à la maison. Il y a plus pour toi en Christ. Il y a plus pour toi en Jésus. Ne te contente pas. Va au-delà. Amen. Amen. Passons de l'autre côté du Jourdain parce qu'il y a plus pour toi.